Résurrection. À l'approche de ce manoir improbable, toujours aussi déprimé, comme ça faisait très longtemps, j'avais envie de me suicider. Mais j'en ai profité. Résurrection. Jusqu'avant, j'avais pas les couilles pour le faire. Mais là, voyez-vous, je prenais aucun risque. Mémé Jesus Christus veillait sur moi. Résurrection, résurrection. De couilles du reste, j'en avais pas besoin pour la visite. Mais la chevrotine ayant fait exploser ma tête, ça, c'était plus embêtant. J'aurais dû choisir le nœud coulant. Pourtant, étrangement, comme un canard qu'on décapite, j'ai continué à avancer. Et ma tête, progressivement, s'est reconstituée. Tous, à la fin des temps, nous ressusciterons, vêtus de notre chair autrefois douloureuse. Et, dans les deux trous noirs que chaque orbite creuse, soudain, nos anciens yeux renaîtront sous nos fronts. Dans cette atmosphère étrange, j'ai donc l'impression de revivre. Aussi nostalgique, aussi romantique. Bref, aussi moi. Et au fur et à mesure de ma progression, je sentis mon corps de nouveau s'emplir de ses anciennes afflictions. Les quatre coins du ciel sonneront l'éclairant, les vieux corps rassemblant la poussière nombreuse. La vie habitera la tombe ténébreuse. Mort, sortez de la terre, et nous nous lèverons. Comment pourrons-nous, soleil qui tout efface, supporter la clarté de l'adorable face, nous qui marchons toujours dans l'ombre du péché? Et que répondrons-nous aux questions divines, devant le Fils de Dieu sur notre âme penchée, dont le chef garde encore la trace des épines? Même s'il n'y a jamais eu d'épines sur les péchés, les corps dépendront à satiété. Alors à quoi bon la résurrection? Mort, sortez de la terre. Non. Mort, sortez de la terre. À quoi bon? Urbex, by the door. C'est le pouvoir de dire non. Mort, sortez de la terre. À quoi bon? Si l'extrême onction sait toujours se faire peur à Elfion, sans façon. Mort, sortez de la terre. À quoi bon? Alors à quoi bon, si c'est pour revivre la même dépression? Mort, sortez de la terre. Non, la réponse sera inlassablement.